Bonjour les addicts, donc j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le unboxing de mes achats que j'ai effectués hier chez Action. Donc vous avez tous répondu, enfin ceux qui ont répondu oui pour voir le unboxing. Donc je vous le présente. Donc alors il y a, donc j'ai acheté ce déo de chez Dove qui est à donc GoFresh 48 heures et il est à 1,84€ les 150 ml. Voilà. Donc j'ai acheté deux tablettes de bain. Voilà, des tablettes effervescentes pour le bain qui sont à 1,69€ chacune. Voilà. J'ai acheté aussi ça pour le bain. Donc Let's Go Mango, 5 boules effervescentes qui sont donc à les 5 boules sont à 99 centimes la pochette, ça vaut le coup hein. J'ai acheté donc bien sûr des masques, ces deux masques que je n'avais pas, j'en avais un dans la collection, enfin j'en avais deux mais pas ceux-là. Donc c'est des masques à préparer soi-même hein. Donc vous avez le contenant, donc le gobelet, le sachet à l'intérieur avec la petite touillette et le masque, le gobelet est à 1,49€. Donc voilà, donc il y a banane et il y a pêche, abricot, non pêche. Voilà, donc j'ai réussi à trouver le coffret safari. Ah donc 4 masques plus un bandeau qui est à il est à 3,99€. Voilà. J'ai malheureusement trouvé que le shampoing dans cette collection. J'aurais bien aimé avoir le reste, mais bon, malheureusement, il n'y avait que ça. Donc le shampoing est à 1,29€. J'ai pas encore senti. Ça sent super bon. Si c'est comme les autres masques de la collection, enfin les autres de la collection, moi j'ai Let's Go Mango, ils font pareil. J'ai à la banane, et il est top à la banane, c'est celui que j'utilise en ce moment, et il est vraiment super. Donc, j'ai acheté ces peel-off, masque peel-off fluo. La boîte est à 99 centimes, donc dedans il y en a 5. 5 comme ça, 5 comme ça, 99 centimes, c'est pas mal. J'ai acheté donc une tablette, enfin une boîte, enfin oui, des ombres à peau aux pierres Fab Factory à 1,95€. Donc les couleurs, je sais pas si vous les voyez là, comme ça, voilà. Les couleurs sont assez claires, sont pas. Moi, c'est mes tons, j'adore. J'ai pris alors. Un linge démaquillant, j'en avais déjà, mais je ne sais pas si vous le voyez, voilà. Mais je trouve ça super, il est vraiment pratique, nickel. En plus de ça, ça évite de prendre des cotons. Lavable à la machine, ça se nettoie bien, donc j'adore. Ah oui, excusez-moi, je n'ai pas donné le prix. Il est à 99 centimes. Donc franchement, top. Je vous le conseille. Alors, j'ai pris des masques. Eh oui, j'en ai pris plein. Donc ces trois-là. Donc, à chaque fois que j'ai réussi à trouver les trois de la même collection, je les ai pris. Donc, ces trois-là, masques made in Korea, donc ils sont 1,19€ chacun. Donc, il y a cerise, camomille et bambou. Voilà. Donc, j'en ai pris d'autres. Ceux-là, pareil, toujours par trois. Ceux-là, ils sont à 69 centimes. Donc, il y a thé vert, extrait d'orange et extrait d'avoine. Voilà. Après, j'ai cela. Alors, il y a. Donc, ceux-là, ils sont à 1,19€. Donc, il y a collagène, niacinamide et rétinol. J'ai hâte de les tester, ceux-là. Et après, donc, j'en ai pris trois autres. Encore, trois différents. Alors là, le système est complètement différent. Il y a le sérum d'un côté, je ne sais pas si vous voyez. Donc là, le sérum, ici. Donc là, on touche, c'est le sérum. Et là,
le tissu en fait du masque sans qu'il soit imbibé. Donc après, vous trempez le sérum, enfin le masque dans le sérum, et ça vous fait le masque à utiliser sur le visage. Donc j'ai pris les trois qu'il y avait. Donc acide hyaluronique, vitamine C et là c'est AA fruits, acide AA fruits. Donc on va tester, on va voir. Il y a Garnier qui faisait le même style. Je ne sais pas si vous avez déjà testé, mais Garnier, ils en ont un comme ça. Ou peut-être plusieurs, mais moi j'en avais testé un, il est pas mal. Alors j'ai pris celui-là, puisque je ne l'avais pas trouvé avant. Donc on avait testé. Qu'est-ce que c'était? On avait fait un challenge avec Aurélia. C'était un challenge sous forme de round. On avait fait le premier round et le deuxième round, match aller-retour sur une battle. On avait. Alors, il y avait. Si je me souviens bien, il y avait Pitchy et l'autre, c'était Pastèque. Alors, s'ils étaient vraiment bien tous les deux, j'avais bien aimé. Alors, avocat à tester, on va voir. Et le dernier, donc de la marque Garnier, c'est l'Hydra Bombe qui est à 99 centimes aussi. Donc là, comme vous l'avez vu, c'est pour les yeux. Voilà. Donc, plein de masques à tester encore. Super. On sort jamais les mains vides quand on va chez Action. En tout cas, voilà ma présentation, mes derniers achats. Je vous fais un retour dès que j'ai testé au fur et à mesure. Et puis de toute façon, je vais vous faire un concours bientôt avec des produits de chez Action, soit des masques ou autre chose. Mais en tout cas, bientôt, il y aura un autre concours qui va arriver. Voilà, je vous souhaite une bonne journée en espérant que ça vous a plu. Et à très vite. Au revoir.